J'attends. J'attends un événement. Il se passe des milliards de choses dans le monde. À chaque seconde, des milliards de catastrophes, de désastres, de joies, de bonheurs. Des milliards d'événements grands, petits, insignifiants, décisifs. Mais ici, rien. J'ai trouvé ici, sur cette terrasse au-dessus de Schlern, le seul endroit de l'univers où il ne se passe absolument rien. Enfin, pas exactement rien. Un gargouillis. Il y a environ une heure. Un gargouillis. Émis par moi-même a retenti. Constituant ainsi le seul épisode notable de la journée. Je me suis donc interrogé sur la signification profonde de cette actualité qui a bouleversé mon néant. Et j'en ai rapidement conclu que seule la faim pouvait contraindre mon estomac à émettre un bruit aussi incongru. Un gargouillis. Un gargouillis comme une porte qui grince, une fenêtre qui claque, une rumeur qui monte, un peuple qui se soulève. Un gargouillis. Un tout petit gargouillis. Oh, le petit gargouillis. Le gargouillis, gargouillis. Ceci était un extrait de la dernière scène du monologue du personnage de Vladimir Skorzeny, extrait de la pièce Le Banc, pièce de Gérald Sibleraz, mis en scène par Christophe Lidon, dont la version officielle a été interprétée pour le personnage de Vladimir Skorzeny par Philippe Chevalier du duo Chevalier-Laspalès, et ainsi son camarade lui donnant la réplique pour le personnage de Paul Letellier par Régis Laspalès. Cette pièce raconte l'histoire d'un duo pianiste à quatre mains qui, après de nombreux succès et après avoir obtenu un prix dans cette même catégorie, se voit louer une résidence artistique à la frontière italo-autrichienne avant d'organiser une immense tournée au Japon. Ce temps de préparation pour cette fameuse tournée sera également l'occasion pour ces deux camarades de se dire l'un en face de l'autre les profondes pensées qu'ils éprouvent chacun pour soi. C'est ma première édition du concept reprise, j'espère que cela vous aura plu. Je voulais marquer le coup afin de rendre hommage à deux artistes que j'ai eu la chance de rencontrer, j'espère qu'ils vous plairont également à vous, messieurs Chevalier Laspalès, ainsi qu'à tous les internautes. Si vous avez aimé cette prestation, cette interprétation personnelle, n'hésitez pas à la commenter et à cliquer sur « J'aime », ainsi qu'à la faire partager à des personnes que cela pourrait intéresser. Et pour recevoir toutes les autres vidéos du même concept, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine reprise.